Oh hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Football Manager. Non, on n'est pas déjà à la... en division 1. En fait, il y a, comme on a fini premier, on a des barrages pour l'Europe. Je ne sais pas du tout où ça va nous amener en Europe. Je sais pas expliquer, c'est très compliqué la division belge. Mais bref, donc du coup on va se retrouver contre Maline, Ostend et Moucron. On va faire des matchs aller et des matchs retour. Et donc c'est un groupe B, donc je suppose qu'il y aura encore des matchs après. Mais donc on va devoir faire ça, donc peut-être pour une place en Europa League, donc ce serait plutôt pas mal. Alors Van den Borre m'a encore blessé, mon autre gardien cette fois. Il blesse tous mes gardiens. Dans... mais bon, c'était que 1 ou 3 jours, donc ça c'était moins grave, mais... Mais il est dangereux, hein. je préférais qu'il blesse l'adversaire plutôt, hein, mais... Et bon, donc on va voir. Ok, encore un blessé. Oh, ça va, c'est pas beaucoup. On s'en fiche, lui, il ne joue pas. Bon, du coup, on va jouer contre des divisions 1. Donc, c'est pas des grosses équipes, mais quand même, quoi. Il va falloir. Faire attention. Oh, Hogan, grand favori pour le trophée du joueur de l'année. En division 2, ouais, super. C'est vrai qu'il a marqué quand même pas mal. Bon, du coup, on va préparer notre équipe. On va pas mettre Simon, on va mettre quand même Hogan. On va laisser Romero Sanogo. Et pour commencer, on va mettre quand même notre papy. Voilà, comme ça on est pas mal. On a notre équipe. Notre équipe parfaite. Bon, lui il sera pas encore 2 mois. Autant dire qu'on a plus de gardien. Mais bon, ça va, il est pas si mal, je pense. Hein. Il a pas beaucoup joué, hein, mais bon, ça va, il est pas si mal. Faudra peut-être se trouver un autre gardien à un moment donné ou un autre. Hein. Ça pourrait être pas mal. Ouais, attends. On va retirer déjà tout ce qui est pas bon. Voilà. Parce que bon, voilà. Alors, comment ça marche? Voilà, ben voilà. Ouais. J'ai juste pas de défenseur. Martyrian Zawi. J'ai même pas Mayem ici. Il y a un problème ça. Hop. ou bien c'est Fixel, ou bien on met Mayem. On va mettre Mayem. Non, j'ai déjà mis Mayem. Stelmon. Mon défenseur, il est où? Alors, attends. Vega, Santa Maria, voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà. Ouais, parce que si j'ai un défenseur qui se blesse, il faut quand même quelqu'un. Allez, c'est parti. On y croit. Oula. Il joue très défensif. Donc on a intérêt à bien jouer offensif, nous. Allez les gars. Alors. Allez, prenez du plaisir. Alors... Hop. Allez, c'est parti. Allez les gars, montrez que vous savez le faire. Contre Maline. On peut le faire. Allez papy. Le tir raté. Romero. Et boum, Hogan qui était là, mais oui. On a bien fait de le mettre. Ce renard des surfaces. Un corner par papy. Oh, c'est dégagé. Attention. Il y a quoi? Une faute? Non? Oui? Mais où il va? Mais où tu vas, monsieur? Oh, il est parti voir le VAR. C'est le VAR. On a le VAR. C'est super. Je ne sais pas pourquoi, mais... il est parti voir le VAR. Il revient et... penalty. D'accord. Il y avait une faute dans le rectangle. D'accord. Oh ben on va rigoler avec le VAR. Et Hogan qui met le penalty. Mais oui. Ah c'est rigolo. Bon bah voilà, la Maline est... ils ne font pas la Maline. Allez c'est parti. On a encore une action. Otto qui est là, qui avance. Un centre raté, mais Sanogo la récupère. Il part complètement de l'autre côté. Alors qu'il joue à gauche. Et papy qui tire un boulet de canon. Mais ce papy, il est fort papy. Bon ben il a... on joue quand même contre des divisions 1 hein, donc... ouh, juste au-dessus. Attention, c'est pas fini quand même. Même si à 3-0 on est bien. On a quand même eu un penalty aussi, hein, donc on va les féliciter, on va un peu les booster. Après 25 minutes, 3 goals, 4 tirs cadrés, 3 goals, on est malade. On est malade. En général, on a besoin de faire 12 tirs pour en mettre un minimum. 12 tirs cadrés, hein, parce que sinon on met rien. Hein. On est un peu trop sûr de nous là. Attention. Bon, allez, à la mi-temps. Si on arrive à la mi-temps comme ça, c'est pas mal. Donc, Bruges. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je suis très content de continuer comme ça. Voilà, parfait. On va les booster. Alors, on est reparti dans l'autre sens. On récupère le ballon. Nielsen qui est là. On fait une passe à Thomas. Sanogo. Papi. Nielsen. Papi. Kiss. Nielsen. C'est le Barça. Et le tir presque de Hogan. Le centre. Ouh, le gardien a eu la main ferme. Il était bien là où il devait être. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? On va les féliciter. Il y en a qui sont frustrés, anxieux, furieux. Tout va bien. Bon, il ne se passe plus grand-chose, mais est-ce qu'on n'a pas déjà fait le principal? On va peut-être faire quelques remplacements là. On va faire monter à la place de Romero, on va mettre Bruninho. Hogan, on va le laisser quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu fatigués? Thomas est peut-être un petit peu fatigué. Ouais. Allez, on va mettre Mayem. Comme ça, il va être content. On l'en met un petit peu. Ça va, il reste 10 minutes. Ils vont pas mettre 3 goals en 10 minutes. Ça devrait aller. Un corner pour eux. Et ça passe au-dessus. C'était bien essayé, monsieur, mais c'est raté. Donc, dernier qui dégage. On récupère le ballon. Bruninho qui est là. Et bien là. Une passe pour Otto qui va centrer. Non, raté, mais il va courir, il va sauver le ballon, oui. Une deuxième chance. Et boum! Quel goal! Parkis qui nous fait accumuler de 10 km. Oh là 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 là. Ce but! Bon ben 4-0, ça fait mal. Hein. Joli, 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 joli. Alors je suis très content. Voilà. Alors le Anderlecht est deuxième. Le club de Bruges a l'air d'être bien parti pour être premier. Le cercle, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fout là, mais il est là. Les Ultra Wargames. Gant est juste à... Et là aussi, mais bon. On a quand même perdu contre eux en coupe. Mais ils sont 5e quoi, mais on n'était pas si mal hein, contre eux. Et on n'avait pas la même équipe aussi. Donc, Et oui, 2 buts. C'est Hogan, on va le féliciter. Donc, on continue, on avance, on avance, on avance, on avance. Donc voilà, on est, à mon avis, il faut finir premier obligatoirement. Hein. J'ai bien l'impression. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire à ce truc, mais... Ostend n'est pas très bien placé dans le classement, il me semble. Moucron, je sais pas du tout. Bon, apparemment, ils n'ont pas l'air mauvais, ils ont quand même battu justement Ostend. Donc ça va, ça va à mon avis se jouer entre nous deux. Donc on verra. Hein. Alors, on va quand même essayer de regarder le règlement de cette chose. Donc on a des poules, demi-finale, finale. Ouais, je ne sais pas. Écoutez, on va voir. Je ne comprends rien. Je crois qu'on fait partie en fait de des playoffs 2 en fait. Mais c'est très compliqué de se qualifier dans les playoffs 2, donc on verra. Ouais, écoutez, on a quand même une équipe compétitive qui a pas l'air si mal. Hein. On a bien fait de faire notre match amical qui nous a permis de gagner 13-0, 12-0 pardon. Donc c'était plutôt une bonne idée. On prendrait bien cet adjoint là. À mon avis, on n'a pas grand chose de bon, à moins qu'on prenne lui. Allez, on va proposer un contrat. Il sera meilleur que celui qu'on a, parce que notre adjoint il est très nul en fait. Donc j'ai envie de refaire un petit peu. Ok, allez, on avance. Alors, non, ça c'est... Toi t'es nul, séance du sport, faut que... Romero. Ouais, j'essaie de un petit peu booster mon stab technique hein, parce que ça va quand même être important pour la prochaine saison. Ok, voilà. Ça c'est fait. Ce sera quand même un petit peu meilleur. En attendant d'avoir mieux. Hein, mais... Alors voilà, directeur technique. On va lui proposer un nouveau contrat, ce brave garçon. Voilà, si on le mettait en coupe. Allez, hop. C'est bien ça. Après, au pire, on le vendra hein, si ça va. On a un autre joueur. Ouais, j'aurais pu le laisser partir aussi, hein, mais bon. Laissez-moi tranquille. Alors, bon, bah, il est pas mal lui aussi. Il a 18 ans. Il va peut-être devenir bon lui. Ah, Hamzaoui. Il est comment notre Hamzaoui? Ouais. On va essayer de trouver un meilleur. Hein. Ça pourrait être pas mal. On va pas le renouveler pour l'instant. Il y a beaucoup de joueurs. Hein, qui sont... Bon, Kiss, on va peut-être le garder quand même. Vous voyez, ça voit Mzaoui. Hein, c'est un peu le même comme Mzaoui. Sauf qu'il a quand même 29 ans. Donc, Faudrait que je trouve un autre. Alors, on regarde un petit peu s'il y a des joueurs intéressants à remettre. Ouais, la Russie peut-être, non? Quoique. La Russie, il est comment? Bon, ça va pas être un gros joueur. Ils sont tous très nuls en fait. Hamzaoui peut quand même bien progresser encore. Hein. Lui, ça serait peut-être quand même bien de le garder. Limite, on vire Kiss et on garde Mzaoui. Allez, on fait ça. Joueur secondaire. Pouf. Pouf. Ça va, il n'a pas un gros salaire en plus. Allez, boum, boum. Et boum. Voilà. Parfait. Alors, ouais, c'est des joueurs comme ça qu'il me faudrait. Je ne sais pas. Comme... Bon, c'est un avant-centre. Donc... Il est pas mal, 19 ans. Il est un peu comme mon Simons, sauf qu'il a moins de finition, moins de technique. Il y a plus de 15 sur mon Simons. Alors ça c'est les barrages pour la relégation. Ok, il n'y a pas de préparateur pour le type d'entraînement suivant. Demandez à l'adjoint. Bon, qu'est-ce qu'il... C'est pas ça que vous allez faire. Oh non, pas au ban blessé, 3 jours. Pas gentil. Ça va, normalement, il sera de retour. C'est une toute petite blessure. Ils me foncent toujours ça à quelques jours d'un match, pof. Allez, Santa Maria blessé aussi, 1 ou 2 jours. Putain mais les gars. Il va y avoir un match. Aïe, 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 je suis blessé. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu ça, quoi. Hein. Non, mais si vous voulez pas jouer, il faut le dire, hein, les gars. Faites pas semblant d'être blessé, quoi. Dites-moi, j'ai pas envie de jouer, coach. Je suis un peu, fatigué. Je sais pas. Oula, oula, là, là. Bon, c'est pas grave, on va le traiter. Bon, voilà. On va l'envoyer chez un spécialiste. Voilà, parfait. C'est pas très grave. C'est pas trop sur lui qu'on compte de toute façon. Bon, on va jouer contre Ostend. Haha, ma ville natale. Eh ouais. Non. Il est passé pro, monsieur Nelson le maire. Je sais pas si tu vas rester trop longtemps. Mais... Il court vite, hein, quand même. 15, c'est pas mal. Mais à part ça, j'ai pas vu grand chose, hein, monsieur. Ok, Oban est de retour. Ça va. Ça va. Oula, Gant, Anderlecht. Club de Bruges, Cercle de Bruges. Bon, alors, les blessés. Oh là 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 là, les blessés, les blessés. Bon, on va mettre Vega. Ah mais il peut pas jouer en fait, Vega. Ok, d'accord, d'accord. On va mettre Mzaoui. Qui sert à rien, mais on va le mettre. Ouais, ouais. On va remettre la Russie. On est 21. On n'a plus besoin pour l'instant. J'ai envie de mettre Bruninho. Ouais, ouais, on va faire comme ça, avec notre papy, ça me semble pas mal, on valide, et on envoie la sauce, de toute façon qu'il joue quand même très attaque, hein. Attention, alors... Allez. Les gars, je compte sur vous. Allez, c'est parti. Ah ben non, c'était nous qui étions... Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, Mohamed Silla. Ouf. Comment on l'a sauvé ça, je ne sais pas. Non, c'est pas Mohamed Silla, je ne sais pas comment il s'appelle. Idrissa. Il a failli nous mettre un goal. Il a l'air de courir très très vite le monsieur. Je n'ai pas vu. Non, même pas. Il est nul. Hein. On a failli se prendre un goal. Oh, ouh. Alors, dommage. C'était joli tout ça. Le petit passement de jambes et tout. Attention. Allez, on récupère Thomas. Qui l'envoie devant. Attention. Le papy qui est là. Bruninho. Mais oui, Bruninho. Ça, c'est le choix du coach. Allez, on va en demander quand même un petit peu plus. On a fait 4 tirs, 4 cadres. Et un coup. Eh, on est en train de jouer contre des divisions 1 qui sont pas si mal placés. Hein. Ostend n'était pas si mal placé quand même. Hein. Donc, c'est pas mal tout ça. Et c'est bien parce que comme ça on voit un petit peu comment ça sera la saison prochaine. Allez, on continue sur ce rythme. S'il vous plaît, messieurs, dames. On ne se relâche surtout pas. Convaincu, motivé, c'est très bien. Ah, allez, on en demande un petit peu plus. Allez, c'est pour nous ça. Nielsen. Nielsen qui passe à Kiss. Nielsen. Ouh, le sauvetage. Mais on était là, on est encore là, on est toujours là. Et ça sera un corner. C'était un peu le cafouillage, la panique. Et cette tête qui arrive dans les bras du gardien. Deux du toit. Oui, ça s'appelle du toit. Il y a Capone. Je regarde ceux que je connais en fait. Je connais encore. Attention. Oh, c'était dangereux ça les enfants. C'était très dangereux. On dégage. Allez. Une petite contre-attaque, ce serait pas mal. Sanogo. Une passe pour Bruninho qui est passé. Le centre complètement loupé. Complètement loupé. Bon, on va faire des petits remplacements vite fait. On va faire monter notre petit jeune. On le sent bien. Enfin, petit jeune, ouais. Mais ouais. Allez, Almanach, il est là, ouais. À la place de Sanogo. Et voilà, Otto. Conello. Perd encore le ballon. Là, on va la récupérer. Non, oui, peut-être. Ouais, Otto qui la récupère, parfait. Nielsen, Otto. Il est passé. Le centre. Ouh, j'ai eu presque froid. Bon, c'est pas une grosse victoire si ça finit comme ça. Mais c'est mieux qu'une défaite. Allez. Allez, parfait ça. C'était tout juste, mais c'est gagné quand même. Une belle victoire, bien joué. Oula, Anderlecht a dû perdre. Je ne sais pas. Oh non. Ils ont fait match nul, match nul. Putain, mais le cercle, ils sont déchaînés, quoi. Ils ont battu le club de Bruges, quoi. C'est incroyable. Étincelant. Ouais. Allez, on va le féliciter. Continuez comme ça, monsieur. Première place perdue pour par Virton. Oui. Donc, vous l'avez dit, hein, ça va jouer entre Moucron et nous. Hein. Ils ont gagné aussi. Donc ça va être chaud. Allez, Saucé, il va rester. Ça c'est bien. C'est costaud, hein. Ça va être chaud chaud, hein. Mais bon, mais bon, on va voir, ça va être un beau test aussi, hein, un bon test. C'est plutôt rassurant, hein, quand même. Hein. Je me dis qu'on peut être dans le ventre mou de la division 1 et donc arriver à pas être relégué, quoi. Donc c'est un peu ça le but pour la saison prochaine, donc en battant justement des mecs comme ceux-là, des équipes pareilles, c'est prometteur. Après si on peut trouver des petites pépites en plus, ça serait pas mal quand même, hein. On verra, hein. Alors, on est en plus favori, hein. Pas mal, hein. Ah, même de beaucoup, hein. Incroyable. Ah. On arrête. Même ici, on a tout le temps la Russie. On tombe tout le temps contre les Russes. Hein. Vega blessé. Ça y est. Juste avant le match. Hein. Alors les gars, nous avons un match demain, enfin après-demain. Aïe, 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 c'est Satan dans... Mister Satan dans Dragon Ball. On peut peut-être, on doit peut-être finir dans les deux premiers. Je ne suis pas sûr, mais je pense que si on finit dans les deux premiers, c'est bien. Donc on est bien parti si c'est ça. Après, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais bon, dans le doute, il faut, ce serait mieux de finir premier. Mais... quoi qu'il n'y a que sur le premier qu'il y a un truc vert, donc je ne sais pas. On va essayer de finir un premier, hein. On verra. Bon ben on avait une bonne équipe là comme ça, hein. Christian Sens revient tout doucement. Encore un mois quand même. Ok, on joue comme ça. Allez. Bon, Hogan n'a pas mis de goal dans le match précédent. Il va peut-être en mettre un maintenant. Voilà. Ils ont deux attaquants, attention. Allez, je n'attends qu'une victoire aujourd'hui. Boum. Laissez-moi tranquille. Je me concentre sur mon match, on a un adjoint pour ça. Allez. Avec Buté qui se trouve au goal, bien sûr. Allez, Thomas. Oui, goal. C'est qui a mis ça? C'est Bruninho. Mais oui, Bruninho. Parfait, un beau corner, c'était parfait. Allez, on continue sur notre lancée. Bien joué les enfants, on en demande plus. Oula, oula, oh là là, il m'a fait peur. Allez, Sanogo qui est parti, il fonce. Une passe, ah il n'était pas prêt, il n'y a pas cru. Mais Bruninho est toujours là et Sanogo qui est là, oui. Cette fois-ci c'est lui le renard des surfaces, et oui. Ah il est bon ce Sanogo, je vous l'avais dit. Hein. Et surtout quand j'ai vu qu'il pouvait jouer à gauche, je me dis, on va le mettre. Le centre, ouh, le sauvetage. Parfait, parfait, parfait. Et il est rapide, hein. 18-16. Il manque un peu de finition, quoi, mais il n'est pas si mal, quoi. Ah, il y a du blessé dans leur équipe. Ça va pas les aider. Oula. On perd le ballon bêtement. Attention. Ouais. Bien défendu ça. Ouais, ma défense elle est bien un petit peu moins mauvaise. Hein. Oh, Bruninho qui est passé. Ouh, ce tir juste à côté. Mais bon. Ça a le mérite d'exister. Bon, 2-0 à la mi-temps, c'est pas mal. Allez, on continue sur ce rythme. On ne se relâche pas du tout. Thomas. Il va perdre le ballon. Kiss. Et boum, Bruninho. Il joue tellement mieux à droite. Il joue tellement. Quand je me mettais en buteur, il ne marquait rien, quoi. Attention. Ouf, oh, j'ai vu que c'était dedans. Bon, on va faire des remplacements. Hogan, il est trop sûr de lui, là. Alors, on va mettre Simons. Papy, ben, il est un petit peu trop sûr de lui. Non. Pas toi, papy. Tu peux pas, papy. Mais on va laisser comme ça, quand même. Voilà. On va même juste mettre... un petit Simons. Dans une équipe qui tourne, ça pourrait le mettre en confiance. Bruninho qui va centrer. Ouais, ok, Nielsen. Est toujours là. Passe à Kiss, Nielsen. Le centre. Ok. Et ça dégage. Attention. Il n'y a pas de hors-jeu. C'était quoi ça? Mais c'était quoi ça? C'est quoi ce but? C'était quoi ce but? Bon, c'était n'importe quoi. Hein. C'est pas très grave, hein, mais... Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Donc on va mettre Mayem. Jouer un peu plus défensive. Attention. On revient, Thomas. Otto. Mayem. Nielsen. Thomas. Kiss. Allez, Bruninho. Non, non. Ça, tu peux pas tirer à côté, là. C'est pas possible. Dommage, le centre qui n'arrive pas. Bruninho. Qui est passé. Difficilement, mais il est passé. Simons qui fait une passe en arrière. Et qui tire, et c'est le goal. Bien joué. Nielsen, ça faisait très longtemps qu'il n'avait plus mis un petit goal. Ça fait plaisir. Bon, bah, quand même 4-1, c'est pas mal. Finalement, ça a été Ostend le plus difficile. N'hésite pas. Oh, attention. Ils ont quand même eu quelques occasions. Hein. Bah, surtout maintenant, ils ont un peu plus de cartes. Mais... voilà. Ouais, je pense qu'il fallait qu'ils marquent en fait. Ok. Non. Il y avait un hors-jeu. Ok. Parfait, ok. Ok, c'est bon, 4-1, parfait. C'était... Voilà, bien joué les gars. C'était convaincant, moi je dis. Ok. Et ben voilà, on a fait les trois, je crois. Voilà, on a fait les trois, c'est ça. On a gagné 4-0, 1-0 et 4-1. Et ben c'était pas mal tout ça, hein. En plus c'est télévisé, ça va nous rapporter des sous. Et là on est bien parti pour se qualifier. Donc on verra plus tard, hein. En tout cas, voilà. Très très bien. Pourvu que ça dure. Mais bon, on a quand même gagné facilement, on peut dire. Et c'est toutes des équipes de première division, hein, donc c'est pas mal. Je suis content. Après, j'ai pas vu vraiment de différence avec la mise à jour, etc. Mais bon. Ils ont l'air de mieux jouer quand même. Ils font encore il y a encore des trucs bizarres de temps en temps, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Mais bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous, plein de poutous. Prenez soin de vous. Goodbye les gens.